il y a les... on fait les... toutes les inscriptions pour les cartes de testeurs. Il nous faut une pièce d'identité. Pièce d'identité qu'on répertorie en informatique, on rend la pièce d'identité aux personnes, aux testeurs. On leur donne un petit badge sur le quai, bien sûr, rentré en informatique, le nom de la personne. Elle se présente à un stand pour récupérer la paire de skis qui l'intéresse, va tester, revient, ramène et fait la chose toute la journée. Ça permet aux gens d'essayer les produits qu'ils ont repérés sur les magazines, dans les tests, sur internet, et ça facilite l'achat pour eux, quoi. Et puis pour nous, ça facilite aussi, comme on dit dans le milieu, le sell-out. Donc ça veut dire que les skis sortent des magasins, sont vendus. Donc voilà, c'est hyper important. Ça permet d'essayer des skis qu'on ne connaît pas, des marques qu'on ne connaît pas, de découvrir la station. Et puis bon, dans un cadre comme ça, c'est parfait, quoi. Le Weber, qui est décliné en deux versions, le 7.9 et le 8.9. Donc le 8.9, donc c'est la version phare qui fait 89 au patin. Grosse spatule, très performant sur piste et aussi en dehors de la piste. Voilà, vraiment excellent. Un très bon ski à conseiller. Vous voulez tester autre chose ou Non, ça va, je vais faire un petit tour, je vais récupérer mes skis. Ça s'est passé super bien, un accueil vraiment super, des très bons conseils. Il pose les questions qu'il faut et puis on a un très bon ressenti après sur le ski, donc vraiment génial. Alors, vraiment rentré sur l'avant, au début du virage, pour bien faire mordre la spatule dans la neige. Et après ça tombe tout seul. Eh ben, pas tout. On va essayer ça. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi.